don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would all night too. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pond, where the sun don't ever shine. I wish you would all night too. Shiver for me now. Je me souviens des jours quand je pourrais continuer dans la vie, sans stress, d'acter mon âge. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait te dire quand ils sont devenus un homme, mais moi, je peux voir le moment exact. C'était tôt dans le printemps de 1915. Ma mère arrêtait de respirer à chaque fois que quelqu'un frappait à la porte. Deux hommes habillés en vêtements formels sont venus à la ferme. Un a placé son main sur l'épaule de ma mère et l'autre a livré les nouvelles. Mon père avait rempli ses poumons de gaz moutard et ce fut la fin. Ma mère était accablée de chagrin, donc toutes les responsabilités ont tombé sur moi. L'économie échouait et on ne pouvait plus acheter du pain ou du bœuf. J'étais forcé à résoudre à des mesures extrêmes. Un jour, on a reçu une lettre du banque disant que nous allions être expulsés à la fin du mois. Ma mère m'a envoyé à Bell River pour rester avec mon oncle Blaise Dicebourg. Apparemment, il avait quelque chose à me montrer. Il avait une cuisinière électrique encombrée de divers pots en acier. Il m'a instruit de lui suivre attentivement. Il a bouilli une grosse marmite d'eau auquel il a ajouté du maïs et du seigle, qu'il a ensuite filtré dans un contenant en cuivre et ajouté de levure. Les autres étapes sont secrètes de famille. J'ai retourné promptement en Québec, où j'ai rassemblé mes amis les plus fiables et compétents. Il y avait Tony, mon conseiller, Olivier, le meilleur boxeur de notre ville, Kylian qui aidait avec Olivier, Lévi, mon comptable juif, et Eric, le fils d'un cuisinier. La bonne chose de vivre à la campagne est que tout le monde sont des fermiers. J'avais eu aucune difficulté à convaincre mon voisin de me vendre des graines à un prix très raisonnable. Ceci était parce qu'il était en Belgique avec mon père. Peut-être il a promis à mon père qu'il prendra soin de moi et ma mère.
Heureusement, les garçons étaient très attentifs et ont appris presque immédiatement. Je l'ai juste montré ce que mon oncle m'avait enseigné, sauf que moi j'avais pas de l'équipement comme lui. J'ai emprunté des tuyaux d'une usine locale et j'ai utilisé mes propres poêles. La nouvelle de notre entreprise s'est rapidement répandue dans notre ville et, à travers les relations de mon oncle, on a établi un contrat avec un groupe à Boston, dirigé par un Irlandais nommé Frank Wallace. Le commerce était si bon que les personnes ont commencé à nous copier. J'ai envoyé Olivier et Killian pour investiguer. Deux escrocs locaux vendaient des bouteilles d'eau colorée en faisant semblant que c'était du rhum. Olivier m'a dit qu'il était très poli. Après 3 mois, nous étions riches. Les choses allaient bien. Trop bien. Assez bon pour que les gens entendent au sud. C'était mi-novembre quand j'ai reçu une lettre de Boston. Boss. Boss. Ils envoient des hommes pour livrer la prochaine expédition. Apparemment, la dernière avait des bouteilles cassées. Ce n'est pas possible. J'entoure les bouteilles avec du chiffon. Peut-être c'est une inspection. Je pense que les Américains vont essayer de nous remplacer. Comme remplacer. Merde. Boss? Boss. Ça fait juste 3 mois que moi et ma famille mangent du bœuf au lieu d'écureuils. Tout le monde ici a quelqu'un qui dépend sur eux. Vous êtes mes amis les plus fiables, mais s'il vient ici pour nous remplacer, mais moi, je vais défendre ma femme avec ma vie. Je ne vous force pas de rester, mais si vous partez, tout ce qu'on a ici à disparaître. Donc, partez tant que vous pouvez. Bon, voici le plan.
be glad when you're dead, you rascal, you. When you're dead and in your grave, no more women will you crave. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. Trust you in my home, you rascal, you. Said I trust you in my home, you rascal, you. You know I trust you in my home. You wouldn't leave my wife alone. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. C'est possible que demain, vous ne rentrez pas chez nous, qu'on ne va jamais se revoir. Mais on ne peut pas oublier pourquoi on est ici. Pour nos familles et pour nous. Vous êtes mes meilleurs amis. Et je suis très fier d'être ici avec vous pour ma dernière toast. Donc, à votre santé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je regardais le ciel en me demandant comment j'étais arrivé à être dans cette situation. Ma mère, mes amis et leur famille. Tous dépendaient sur moi. J'avais tout pour gagner et tout pour perdre.
You're late. Where are the rest of your men? I thought there were 6 of yours. We've downsized. I can only work with the best. Is that the stuff? All here. Wrapped in cloth, as usual. No chance of damage. You sure about that? Monsieur Levy assures me that he wraps every single one. What? That kike accountant of yours? He's probably squirreling away 10% under your nose. You should have offed him. Maybe. Or maybe I'm getting hustled by a bunch of micks who can't count. I do not claim to be some kind of whiz kid. Not in any shape or form. But unless some men boarded the transport car and shut the boxes, then I think there's been a misunderstanding of our partnership. I am not some small-town kid you can just walk all over. I'm sick of your petty games, and I want the respect that me and my men deserve. Now you can go home and tell that to Mr. Wallace. So that's that. Menna! Nous les avons enterrés dans la forêt derrière la grange. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Boston quand ils n'ont jamais retourné. Mais une chose est certaine. Personne ne nous a plus jamais dérangés.